Les bergers vinrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une grande joie. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec vous. Bonsoir. Bonne fête à tout un chacun. En ce dimanche, qui suit immédiatement Noël, la liturgie nous invite à célébrer la sainte famille de Jésus, Marie et Joseph. Une famille sainte, une vraie famille avec ses obscurités et ses joies. Une famille où l'on peut contempler ou apprendre d'elle l'unité, la foi et l'amour. Frères et sœurs et amis, chacun de nous ici présents a pris naissance dans une famille. En ce début de cette célébration, nous sommes invités à regarder nos familles à la lumière de ce modèle de famille. Et demandons pardon au Seigneur pour toutes les fois que nos familles, ma famille, n'ont pas été le lieu où règne l'unité, la foi et l'amour. Je confesse à Dieu le Père Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi j'ai supplié la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Continuons donc à implorer la toute miséricorde de Dieu sur chacune des familles ici rassemblées et sur chacun de nous. Oh,
remets cette toute action de grâce à l'occasion du 22e anniversaire du Père Chacha, que vous connaissez tous. Et nous avons aussi le privilège d'avoir en notre communauté une famille qui fête aujourd'hui 28 ans de mariage. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous la grâce de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de tout l'amour avant de nous retrouver pour l'éternité dans la joie de ta maison. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vivrait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. La parole de Dieu fut adressée à Abraham, et ce dernier a eu une grande foi qui aujourd'hui continue à nous faire comprendre combien Dieu est amour et fidèle. Écoutons attentivement cette première lecture tirée du livre de la Genèse, chapitre 15, versets 1 à 6 et chapitre 21, versets 1 à 3. La parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. Ne crains pas, Abraham. Je suis un bouclier pour toi. Tu recevras de cette alliance un merveilleux salaire. Abraham répondit : Mon Seigneur Dieu, qu'est-ce que tu vas me donner ? Je suis un enfant. Tu ne m'as pas donné de descendance. Et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. Alors, cette parole du Seigneur est adressée à Abraham. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. Puis, il le fit sortir et lui dit : Regarde le ciel et compte les étoiles, si tu le peux. Et il déclara : Vois quelle descendance tu auras. Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Le Seigneur intervint en faveur de Sarah, comme il l'avait annoncé. Et il agit pour elle comme il l'avait dit. Elle devint enceinte, et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse, à la date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un nom au fils que Sarah lui avait enfanté. Il l'appela Isaac. Parole du Seigneur. En réponse à cette première lecture, chantons le psaume 104. Le Seigneur Le Seigneur
Luc chapitre 2, du verset 22 au verset 40. Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi présenter en offrande le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Poussé par l'Esprit, Siméon vint au temple. Les parents y entraient avec l'enfant Jésus pour accomplir les rites de la loi qui le concernait. Siméon prit l'enfant dans ses bras, il bénit Dieu en disant, « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, car que tu as préparé à façon de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations païennes et gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, toi, ton fils qui est là, provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division. Et toi-même, ton cœur sera transversé par une épée. Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes de ton nom. Il y avait là une femme qui était prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Demeurée veuve après 7 ans de mariage, elle avait atteint l'âge de 84. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. S'approchant d'eux, à ce moment, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'il eut accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée dans leur ville de Nazareth. L'enfant grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons cette bonne nouvelle du Seigneur. Notre baptême nous donne une nouvelle identité.
sortir. C'est avoir reçu un cadeau extraordinaire. C'est avoir reçu le plus beau, le plus magnifique des dons de Dieu. Une famille chrétienne est une famille de pécheurs. Frères et sœurs et amis, bien souvent par orgueil et surtout par manque de confiance en la miséricorde de Dieu, nous nous préoccupons avant tout de donner une bonne image de nous-mêmes, de correspondre à ce que nous estimons être famille chrétienne, en écartant de notre champ de vision tout ce qui risquerait de ternir cette image. Une famille chrétienne, c'est une famille qui se sait sauvée par Dieu. C'est une famille qui, en tout temps, ouvre ses portes pour accueillir la miséricorde de Dieu. Une famille chrétienne est une famille en route. Une famille qui est en route vers Dieu. Peu importe le point de départ, nous sommes sûrs d'arriver au but, à condition de nous mettre en route, de ne pas rester en terre après une chute, d'accepter de reconnaître que nous nous sommes trompés de chemin. Une famille chrétienne est une famille qui prie. Ceux et celles qui prient en famille savent bien que ce n'est jamais facile, parce que le mal use de toute son habileté pour essayer de nous en détourner. La prière est un combat. Il faut le savoir pour ne pas s'étonner des obstacles qui surgissent tôt ou tard. Il est donc recommandé, en ce jour spécial, d'encourager les familles à prier ensemble. Parce que cela fait la joie de Dieu. Notre Père est heureux de voir jaillir une prière dans la petite cellule d'église que vous formez. Vos enfants, en vous voyant prier, en vous entendant prier, en étant témoins de votre prière, découvriront tout naturellement que quelqu'un est là. Il est là dans le silence. Une famille chrétienne est une famille où règne l'amour. Voyez comme ils s'aiment. Et c'est à ceci que l'on devrait reconnaître une famille chrétienne. Voyez comme ils s'aiment. Frères et sœurs et amis, ouvrez grand vos yeux pour voir quel modèle familial que vous voulez transmettre à vos enfants. La famille chrétienne par excellence, c'est la sainte famille, celle de Marie, Joseph et de Jésus. Ils ont vécu une existence apparemment banale au sein de leur village. Ils ne faisaient rien d'extraordinaire, mais faisaient tout avec un amour extraordinaire. Ils vivaient l'épreuve de la foi comme Abraham et Sarah. La première lecture, tirée du livre de la Genèse, nous décrit l'intervention de Dieu auprès d'Abraham pour conclure une alliance avec lui. Abraham et sa femme étaient avancés en âge et ils ne pouvaient pas transmettre leur héritage en ligne. Dieu répond en faisant contempler Abraham les étoiles du ciel, il lui montre l'importance de sa descendance. Frères et sœurs et amis, du point de vue humain, la promesse divine est irréalisable. Et pourtant, Abraham eut foi dans le Seigneur. Il a misé son existence sur la parole de Dieu et s'est ajusté sur elle. Voilà la justice d'Abraham. On pourrait dire aussi la justesse de l'attitude d'Abraham. Celui-ci se laisse ajuster sur Dieu. Il est en totale conformité avec la volonté de Dieu
et devient de ce fait un modèle pour tous les croyants. C'est Paul, dans la deuxième lecture tirée dans la lettre adressée aux Hébreux, nous disait que la foi nous fait posséder déjà ce que l'on a. Elle nous fait connaître ce qui est hors de nos prises sensibles. Elle nous donne des yeux nouveaux pour voir toutes choses. Saint Luc, dans son évangile, nous montre comment le Seigneur s'est manifesté à Joseph, à Marie et à ses deux prophètes, Anne et Siméon. Ces deux derniers représentaient les petites gens, les pauvres. Et par-delà, l'annonce faite à Marie d'une série d'épreuves à venir, Siméon reconnaît en Jésus le Messie attendu. Il s'exclamait en tenant l'enfant dans ses bras, « Mes yeux ont vu le salut que tu as préparé pour tous les peuples, lumière pour éclairer la nation païenne et la gloire d'Israël à ton peuple. » Frères et sœurs, Yannick, ces titres qui ont été donnés par cette pauvre sont éblouissants. Jésus est le Messie de Dieu, le salut de tous les hommes, il est la lumière, il est la gloire, il est la délivrance. Et malgré la qualité de foi de Marie et de Joseph, ils ont été étonnés sur ces titres. Ainsi, frères et sœurs et amis, vous voyez clairement comment des hommes et des femmes anciens et actuels ont donné à leur vie un sens par la foi. Mais on peut se dire, l'épreuve de la foi, en est-il pour les familles d'aujourd'hui? L'épreuve de la foi, en est-il pour les familles d'aujourd'hui? L'épreuve de la foi, en est-il pour vos familles? Pour nos familles en cette communauté? La réponse est bien sûr. Nos familles d'aujourd'hui connaissent bien les turbulences. Grand nombre en sont donc éprouvés, rongés par la séparation, le divorce, les conflits, les incompréhensions, les ruptures, les maladies répétées, le chômage, la famine, le deuil. D'autres en sont meurtris, décimés par la guerre, la migration politique et économique. Le message pour aujourd'hui, frères et sœurs et amis, le message pour chacun de vous ici présents, dans votre famille, si tout semble aller pour le mieux, voilà le message. Dans votre famille, si tout semble aller pour le mieux, il faut s'en réjouir. Rendre grâce au Seigneur. Si bagaille n'a pas dit mal dans la famille BAM, si bagaille n'a pas catastrophique dans la famille BAM, dis mon Dieu merci, fais-toi content. Voilà le message pour aujourd'hui. Qui famille qui va éprouver, qui famille qui va connaître des jours difficiles? Tout le monde, chaque monde. Et il y a un chant qu'on savait chanter lorsque j'étais adolescent. Donc je l'ai beau aimé. Jusqu'à maintenant, je l'aime. Ou ceux qui sont amoureux. C'est ça. Qui famille qui va connaître des jours difficiles, des jours sombres, des jours noirs? Et s'il faut un bagage, qui a fait, qui est content, permettre la vie pour nous vivre ensemble, pour nous chercher, pour nous partager. Et puis il faut que chaque monde ait le courage pour qu'à chanter. Chérie, c'est une fois un bagage. Chérie, comme ça, un bagage. Nous sommes sûrs que les gens disent, mais on aime. Hein? Nous connaissons. Et voilà le mot, le message pour aujourd'hui, pour vous autres ici, pour chacun de vous, pour chaque famille ici rassemblée. Dans ma famille, si tout semble aller pour le mieux, pas de famille bagaille à merveille. Si tout semble aller pour le mieux, il faut s'en réjouir. Et puis, dis bon Dieu, merci. Dis bon Dieu, merci. Voilà.
Donc parole. Garçon qui fait problème, fille qui fait problème dans la vie mariage, dans la vie à deux. Les gens sont malades, elles ne peuvent pas travailler. C'est ça que nous avons fait alors, elles ne peuvent pas travailler. Les malades, les affiliés, les bons coachs, les gens ne peuvent pas comprendre bien qui s'est passé. Ils vont au coin, et puis ils vont au coin qui a voulu dire qu'il y a un vin. Vinino, vinino. Et vos paroles de sagesse, m'a rappelé aujourd'hui, qui dit le proverbe, nous avons qui parle de sagesse liée. Pas jamais j'étais lié chaudière ou chaudière neuf. Ça qu'a pris le vini vini, hein? Son bout de route la parole. Il y a la bonne en haut. Il y a la bonne en bout de route. Et là, il y a la bonne en bout de route. M'a connu, soit de courage, ou chanter. Si nous te connais, toujours derrière. Si nous te connais. M'a connu, soit de courage, ou chanter ça. Vieux jour, le monde qui m'a lié, qui était garçon ou bien fille, même soit pourri, bamboché tout partout, qui va te vieux jouer. Non, la madame, qui va te vieux jouer. Non, la marie, si te connais toujours derrière, pas jamais j'étais vieux chaudière ou chaudière neuf. Donc, frères et sœurs et amis, en cette fête de la Sainte Famille, vous êtes invités comme Siméon et Anne à faire confiance à Dieu, quoi qu'il vous arrive, et à garder en vos cœurs l'espérance liée à cette appartenance familiale. Qu'il en soit aussi l'occasion pour chaque famille s'y rassembler de réfléchir sur le caractère sacré du lieu là où nous sommes ici aujourd'hui rassemblés, où nous avons l'habitude de se rassembler ensemble pour célébrer et dire merci au Seigneur, où toutes les familles humaines devraient pouvoir se rassembler ou s'exprimer ou s'affirmer et déployer la richesse de talent de chacun de ses membres. Cette fête aujourd'hui est pour tout de chacun l'occasion de s'interroger sur le rôle, la place, la responsabilité des familles dans la liturgie. Chacun est place à là. Chacun est place à là. Donc, ici, frères et sœurs, que l'Esprit Saint, que l'Esprit de la Sainte Famille pénètre, inspire et renouvelle nos familles d'aujourd'hui pour qu'elles soient des lieux de vie partagés, considérés et célébré dans l'amour au quotidien. Dans la messe d'hier, on demandait Jésus, Marie et Joseph pour la prière pour pauvres familles. Amen.